Il ne s'attendait sûrement pas à cette distinction. Après 70 ans d'attenté, le roi Charles III est né, le fils de la reine Elisabeth II est monté sur le trône, sans avoir encore été couronné officiellement, le 8 septembre 2022, à l'âge de 73 ans. Charles a longtemps eu la place du vieil héritier, faisant même dire aux mauvaises langues qu'il mourrait sans avoir pu porter la couronne. Il est désormais souverain, ce qui remet en jeu le titre de prince héritier le plus âgé d'Europe. Ce record est désormais détenu par le prince Frédéric de Danemark. Âgé de 54 ans, le fils aîné de Margrethe II de Danemark, actuellement en pleine brouille avec son frère, Joachim, est en conséquence l'héritier le plus vieux, il attend de monter sur le trône depuis 51 ans. Suivi de près par le prince Alois de Liechtenstein qui célébrera ses 55 ans en juin, Frédéric de Danemark s'occupe en promouvant des activités commerciales, des courses sportives, et en se positionnant en défenseur de l'environnement. Du côté des Benjamins des princes d'Europe, celui qui détient le titre du plus jeune héritier au trône est Jacques de Monaco, âgé de 8 ans. La famille royale de Danemark en imagine une nouvelle photo de famille pour Margrethe II de Danemark. La brouille entre Frédéric et Joachim ne cesse de pas arranger avec les fêtes de fin d'année. Les deux frères ne sont pas apparus publiquement ensemble depuis des mois. Alors qu'aucun des princes n'a passé les fêtes de Noël en compagnie de la reine Margrethe II, Frédéric, ayant célébré Noël en Australie, aux côtés de sa belle famille, tandis que son cadet, Joachim, avait un voyage prévu de longue date à l'étranger, le palais a pourtant publié de nouvelles photos de famille sur les réseaux sociaux officiels, ce mercredi 28 décembre. La souveraine, entourée de ses deux fils en uniforme et de ses deux belles filles couronnées de leur diadème de princesse, a ainsi pris la pose dans la salle des chevaliers du palais de Christianeuf, sa résidence officielle, pour le premier cliché. Sur le second, elle est simplement accompagnée du couple héritier, le prince Frédéric et la princesse Marie. La photo pourrait toutefois avoir été prise il y a plusieurs mois, en vue de sa diffusion en fin d'année. Elle ne signifie donc pas la fin de la dispute. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamen.